Salut à tous et à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'équipe la plus cheatée sur FUT 16. Donc, comme vous le savez, je l'avais fait sur FUT 15. Si vous vous rappelez bien, avec mon Ronaldo, mon Cardona et mon Pabon Tots. Et cette année, j'ai décidé de le faire aussi. J'ai pas Ronaldo, bien évidemment, j'ai pas les crédits et puis je l'ai pas encore packé. Peut-être, qui sait. Mais j'avais envie de vous faire une équipe qui est rapide. Donc on sait que sur FUT 16, le jeu de rapidité, le jeu de vitesse est moins important que sur le 15. Mais quand même, si tu prends un Walcott à côté d'un Mertesacker, je pense que Walcott, il le tracerait tout simplement. Donc on va pas attendre. Donc si vous l'avez vu dans la miniature ou pas, si vous regardez pas les miniatures, cette année, pour moi, le championnat idéal pour faire l'équipe la plus cheatée, c'est la MLS. Donc, au goal, j'ai choisi Timo Ward. Donc, c'est pas un joueur de MLS, mais il va bien aller la cohésion avec mes deux défenseurs centraux. Je pense que vous les connaissez. Le meilleur du pays, donc voilà, acheté 5000 crédits. Ensuite, le défenseur droit, il s'agit de Wayne, acheté 2800 crédits, 90 de vitesse. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même important la vitesse dans ce jeu. 1m75, 80 de physique, 63 de défense. Si vous savez gérer la défense, les 63 de défense ne vous poseront aucun problème. Les deux défenseurs centraux, Opara et Bessler. Donc, Matt Bessler, acheté 6300 crédits. Il a défense élevée, donc ce qui veut dire qu'il va rester en défense, il va pas monter, donc c'est vraiment bien. 76 de vitesse, 75 de défense, 76 de physique. Il est complet, tout comme Opara. 86 de vitesse, 72 de défense, 82 de physique. Et lui, il a moyen élevé. Et lui, par contre, je l'ai acheté 15500 crédits. Je crois que c'est le joueur le plus cher de la team. Ensuite, défenseur gauche, Bezley, acheté 8600 crédits. 85 de vitesse, 61 de physique, 66 de défense. Si, comme je vous dis, si vous savez gérer les défenseurs, les 61 de physique et 66 de défense ne vous poseront aucun problème. Par contre, lui, il a rendement du joueur élevé en attaque. Donc, mettez-lui une petite instruction et puis ça va passer nickel. Ensuite, premier milieu central, il s'agit de Steven Gerrard. Donc, Steven Gerrard a acheté 5200 crédits. Donc, 54 de vitesse, mais avec sa stat de passe, il pose le jeu, on va dire. 82 de tir, 80 de physique, 86 de passe, 75 de dribble, 3 étoiles et 3 étoiles. Donc ensuite, mes deux autres milieux centraux, c'est des milieux défensifs, Il s'agit de Jones et de Alonso. Donc Jones a acheté 700 crédits, c'est rien, et regardez-moi ses stats. 73 de vitesse, 73 de défense, 87 de physique, 1m84, rendement élevé. Puis je l'ai acheté pour rien, 700 crédits, c'est rien. Il est complet, tout simplement, c'est un monstre, il arrête pratiquement tous les attaquants. Et il est accompagné de Alonso, acheté lui aussi 700 crédits, 80 de vitesse, 76 de défense, 81 de physique. Lui aussi, c'est un monstre, en plus défense élevée, c'est parfait. Ensuite, le milieu offensif, je l'ai mis en AT. Jovinko était plus cheaté et mieux avec ses 90 de vitesse. Acheté 2000 crédits, 4 étoiles et 4 étoiles. 77 de tir, 79 de passe, 85 de dribble. Il est tout simplement énorme. Il est un peu petit, mais c'est pas grave. Et ensuite, mes deux buteurs. Donc, on va commencer
par Martins, voilà. Donc Martins, acheté 800 crédits, c'est rien. 16 matchs, 6 buts, 4 passes décisives, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques. Donc pied gauche, pied droit, on s'en fout. 91 de vitesse, avec 72 de physique, 77 de tir, 79 de dribble. Il est tout simplement énorme, comme cette équipe d'ailleurs, elle est énorme. Si vous avez les crédits, faites-la. Et on termine par mon joueur préféré. Il s'agit de Zardes. Zardes, un joueur argent, acheté 8500 crédits, 14 matchs, 8 buts, 6 passes décisives, 4 étoiles et 4 étoiles. 1m88, donc il va prendre des ballons de la tête. 86 de vitesse, 68 de tir, c'est pas un problème. 72 de dribble et 74 de physique. Il est énorme. En plus, 1m88, donc si vous avez possibilité de centrer, centrer, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette équipe vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et si vous la faites, n'hésitez pas à me le dire. Portez-vous bien, c'était Genetics et peace!